Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. C'est lundi. Ok? Pour commencer depuis lundi. Donc nous devons terminer le 10 si Dieu veut. Mais dans le cas où le besoin se fait encore, donc nous allons continuer avec lui. Nous allons continuer parce que le coordonnateur a dit, si, parce que jour lundi à son jour que nous pratiquement raté parce que nous avons un petit manque de planification. Mais si nous sommes capables de récupérer jour lundi ça, nous sommes capables de continuer dans la semaine qui va venir. D'accord? Donc nous commençons lundi et journée jeudi a donc nous gagnons et presque tout élève là parce que d'accord que absolument nous recevons près de 4 lycées, 4 à 5 lycées lundi an, donc côté que nous gagnons Pétion, de gagner Toussaint, de gagner donc nous avons dit Marie-Jeanne qui doit là tout. D'accord? Mais comme Marie-Jeanne lui-même est dans l'examen, donc c'est lundi que Marie-Jeanne est rentrée dans le processus. Nous commençons de 8h, nous finissons à 2h15 chaque jour. Là, nous venons de cas côté que Timon a venu en uniforme. Nous demandons le carnet de paiement à l'école côté que il y a. Nous vérifions que c'est vraiment un élève. Donc le ça, nous quittons le secours. Timounio vraiment accueilli, Timounio était besoin, c'était une nécessité pour Timounio pour que yote joué pour le rattrapage ça. Moi je viens dans le cours de rattrapage que le ministère a organisé pour nous dans le lycée Marie-Jeanne là parce que vous connaissez la structure payante, vous ne pas faire dans le lycée Alexandre Pétion qui c'est l'établissement par nous. Nous sommes obligés de mettre nous ensemble pour nous venir prendre un coup de râle parce que nous perdons un peu le jour déjà. L'initiative, je vous dis que c'est ça pour le moment parce que déjà nous perdons un peu le mois, déjà nous sommes déjà rattrapés, déjà c'est nous-mêmes qui baillons le maximum que possible pour nous faire si nous rattraper quelques notes dans ça que nous perdons parce que nous perdons. Ben oui, ça pour nous prendre. Nous apprenons parce que nous ne connaissons pas besoin de rattraper tout ça, nous perdons. Nous mettons nous en place pour nous comment. Nous allons aller plus devant et comment nous allons recevoir l'examen pour nous avancer. Bon, la plus grande inquiétude, nous, c'est pour le moment où l'examen va le faire. Parce que déjà, nous connaissons les structures payantes, il y a 17 octobre, il y a des dates qui sont des dates qui me connaissent, la population pour aller prendre la rue, pour des séries de débats qui ont fait. Nous mettons là dans la tête, nous, mais nous connaissons que nous ne pouvons pas bloquer l'éducation dans le pays. L'État haïtien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'examen soit fait parce que déjà, élèves ne viennent mieux, tout ne va pas perdre l'examen par là. Nous-mêmes, tout ne va pas perdre. Nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas parler d'éducation comme ça, pour nous dire que vraiment, vous nous méritez, il faut nous composer. Mais malgré tout, sans éducation, pas de la jeunesse, pas de l'avenir, pas de l'avenir. Maintenant, le parquet de Port-au-Prince, jeudi, il peut que c'est le 1er octobre et que. Et suite avec un événement qui était passé, un incident, mais disons, et qui était arrivé dans la Cour supérieure des comptes, côté que moi-même, Samuel Dalman, et journaliste caméraman Radio Télé Guinée, qui était agressé et par un agent de sécurité et ses consorts. Eh bien, et je dis à là, moi, j'étais dans le parquet de Port-au-Prince, commissaire du gouvernement, et était capable tant de moins sous dossier ça. Et qui est arrivé le 23 septembre dernier et aux environs de 2h30 et jusqu'à presque 5h30 côté que nous passons plus passé 2h et on dit séquestré et c'est ça. Bah, on est qui question que nous avons. Bon eh bien et comme c'est le gouvernement était posé une question pour demander moins et de fil en aiguille qui s'est passé et on dit dans la Cour supérieure des comptes et que nous ne pouvons pas retourner sur ce qui s'est passé puisque nous avons parlé dans la presse et nous avons expliqué déjà et tout ce qui s'est fait et pour nous faire raccourci nous avons répondu à un commissaire là et de ça que nous avons posé premièrement nous avons dit qui gens que nous avons fait et on dit dans l'événement sont faits normal et que nous avons avisé par la station et que nous avons travaillé pour lui à qui s'est radio.
Vendredi dernier, Jean-Pascal Alexandre est présenté devant le juge d'instruction Renaud Régiste. Et le juge Latéfine analysé le dossier. Le juge avait décidé de le mettre en liberté. Jodia en état de liberté, il paraît devant même juge d'instruction. C'est toute une procédure, c'est tout un processus. Et Jean-Moi te dit nous ça déjà, l'instruction suit son cours, même si Jean-Pascal Alexandre est en liberté. Il répond une question au juge là pour une deuxième fois, il répond toutes questions au juge là posées. Jodia, dans quelle phase nous y est? L'instruction va continuer son cours. L'instruction va suivre son cours. Ce n'est pas terminé. Jean-Pascal Alexandre, il va continuer à rester à la disposition de la justice. Depuis que le juge a besoin pour le paraître, si le juge n'a pas besoin, il ne peut pas paraître. Mais l'essentiel, c'est qu'il est à la disposition de la justice. Nous-mêmes, leaders communautaires, nous-mêmes, Mam Fayès, nous voyons solidarité, ma Fayès, je quitte 9 septembre. Fayès perdu près de 6 machines brûlées en dol. Et je dis à Claire, nous camper pour nous dire, finalement, ça qui fait nous mal, en tant que prestataire communautaire, ça fait quelques années de cela depuis Fayès a malmené avec nous. Nous camper à Claire pour nous dire, Jean que yo alimenté nous, nous ne pas d'accord avec lui du tout. Je dis à ce moment, pas nous, pour nous oublier tout ça, nous avons sous cœur nous, pour nous dire déjà à président. Président, nous au courant de 4 500 000 dollars qui sont investis dans Fayès, pour nous-mêmes, prestataires, pour nous donner un bon traitement, pour nous alimenter, peuple non doyo, peuple grand goût, puis bien que Jean Otea. Je dis à Claire, nous dit, c'est vrai, nous pas d'accord avec Zach Malhonnête qui vivait Fares là, qui c'est une institution qui a aidé les gens qui sont pauvres. Et mais je dis à tout, nous dit Fares, puis nous avons un bon genre de traitement, parce que j'ai un alimenté noir, pas bon. Et déjà, nous connaissons bien les gens qui ont des restaurants sur Matéli. Matéli, avant manger à fini, depuis vendredi, ils ont alimenté nous. Je dis à Claire, nous avons près de un mois. Depuis manger nous fini, il n'y a pas jamais alimenté nous. C'est toujours comme ça, presque chaque alimentation à Fayès. Et la population, elle vient juger mal. Presque chaque jour, la population est venue à nous à bol. Elle vient chercher à manger. Et nous-mêmes, nous n'avons pas rien pour nous dire. Et nous avons demandé à un président, Jean-Louis-même, il a toujours parlé, il a toujours dit que non seulement le département de l'Ouest, il y a 200 restaurants qui marchent propre et qui ont bien travaillé. Et je dis à Nabdi Akler, président, ce n'est pas vrai du tout. Parce que le restaurant n'a pas jamais marché à l'heure. Nous-mêmes, prestataires, nous avons demandé bon jeu de traitement. La caille, nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes petites, nous sommes madame. Et déjà, mais l'école doit l'ouvrir là. Nous sommes en haut, nous sommes en bas. Oui. Et je dis à Claire, je vais faire une caille pour 15 000 dollars. Même si 6 mois depuis que je n'ai pas payé. Mais en tant que leader communautaire, la pauvreté a s'y tiré. Et nous avons demandé traitement pour nous, pour nous payer la caille. Et nous avons demandé, et déjà, j'ai que yo alimenté nous. Yo avons demandé 47 durées. 13 caisses d'huile à 6 gallons. Yo kon ba nou 13. Yo kon ba nou 10 sacs pois. Et yo kon ba nou 10 caisses saumon. Et je dis à Claire, yo ba nou 7 sacs pois, 40 sacs du riz, qui pas même ka fè rien pour nous. Mou nan problème. Et n'a dit à président, repensez sous affaire restaurant communautaire yo. Et m'a demandé à président pour le voyez sous Fayès directement. Parce que Fayès en déficit pour le travail. Contre coup pour le bail Fares, rapport que lui-même dit Kabalia. Concernant la dette de l'État, d'où est nous? Concernant le malfonctionnement Fares avec nous-mêmes, leaders communautaires. Et côté que nous avons parfois, nous avons maintenant la dette nous, là nous campons, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes responsables pour ne pas manger, qui passe ça vraiment. Nous demandons que pour pouvoir en place ça, prendre toute responsabilité nous avec le programme ça, qui est une force pour la population. Parce que ça dit en pile, les gens qui levent, ils ne peuvent pas manger pour manger. Ou même qui la caille ou qui mange chaque jour, quand tu as posé des questions, est-ce que tout ça n'a pas joué un système côté qui pour employer violence dans le quartier communautaire? Non, c'est ça. Nous demandons au président Jovenel Moïse, prend toute responsabilité avec Fayès
Et Jean Pogamante sous Joseph Michel Martelly, Léon Salvador Lamotte, côté que ce n'est pas nous-mêmes responsables local de manger, c'est pour te dire que nous, côté que local de payer, emploi de payer, et je ne dis pas que ça va venir exister encore. C'est à cause que nous-mêmes, nous sommes leaders communautaires, nous sommes le programme pour faire continuité et pour nous capables de rejoindre force pouvoir politique nous pour atterrir comme ça doit. Dans ce sens, ça, nous demandons que pour le ministre des Affaires sociales, là, qui a un dossier dans le même, côté de Libye, nous, dans la farine, nous avons plus que 18 mois, il n'y a pas de jambes payées. Dans ce sens, ça, nous demandons que pour le ministre des Affaires sociales, le premier ministre, président Jovenel Moïse, et sans côté, madame Midou qui sont maman, pour penser avec nous-mêmes, avec le programme de son communautaire. Et moi, je demande pour le président, pressé, prendre toute responsabilité pour rester en communauté au marché comme ça doit. Parce que chaque jour, on place au compte pour chaque haïtien. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous. Son babé zap cherché pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.